brillante étoile. Et toute l'éternité, je veux te louer. Et je régnerai toujours avec toi. Et toute l'éternité. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, bienvenue. Sentez-vous à l'aise dans la maison de notre Dieu. Et ce n'est pas le dernier sabbat de l'année, mais c'est le dernier sabbat à Maranatha. Alors, que nous puissions nous tourner les uns vers les autres et nous souhaiter pour cette année qui va venir, puissions-nous dire à notre voisin, il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Et c'est Jésus. D'accord ? Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Que nous puissions chacun le proclamer. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Et que nous puissions chacun nous donner cette bénédiction et savoir que cette année qui va commencer, il n'y a rien dont j'ai besoin que Dieu ne puisse me donner. Ensemble, il n'y a rien. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, alors je dis. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois, parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, il n'y a rien dont j'ai besoin, oh oui. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qui ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, alors je dis à la montagne, éloigne-toi, alléluia. Lorsque
Parce que je crois, parce que je crois, parce que je crois, oh oui je crois, encore une fois parce que je crois, parce que je crois, oh oui je crois. Alléluia, alléluia, pour l'année qui vient, nous n'avons rien d'autre besoin que de Jésus. Alléluia. Et parce que c'est de Jésus seul dont nous avons besoin, que nous puissions nous remettre en nous-mêmes et lui dire, oui Seigneur, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Alléluia. Et que vraiment chacun puisse le chanter comme une prière pour que le Seigneur, oui, puisse entendre nos cœurs. Oh, prends mon âme. Pourquoi j'ai mis le
Père, notre Dieu, notre Créateur, gloire, honneur, louange à toi et à toi seul. Tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette année 2023. Nous te remercions de nous l'avoir aidé à la traverser, Seigneur. Mais tu as déjà tout préparé pour nous pour les jours à venir, pour l'année à venir. Nous te remercions pour cela. Nous voulons te demander une bénédiction spéciale pour chacun d'entre nous, pour toutes les personnes ici présentes, mais pour celles qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Tu les connais, tu sais toutes choses, Seigneur. Alors bénis-nous, bénis-les, afin que ton nom puisse être continué à être béni et glorifié sur toute la Martinique, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis chacun d'entre nous, bénis Rodrigue qui parlera en ton nom, Seigneur. Bénis ceux qui sont sur la chair avec moi, Seigneur, et que ton nom continue à être béni, Seigneur, dans nos vies, chaque jour. Fortifie-nous, garde-nous, protège-nous, Seigneur. Merci aussi de bénir les dîmes, les offrandes. Toutes les personnes qui ont emmené, comme celles qui n'ont pas pu emmener, pour les raisons que tu connais, Seigneur, pour celles qui ne travaillent pas et qui souhaitent participer à cette œuvre. Alors, Seigneur, donne-leur ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent participer au Seigneur. Merci pour cette grâce. Bénis aussi nos enfants, nos familles, nos amis, collègues de travail et autres. Et aide-nous à participer à cette mission que tu nous as confiée, afin qu'eux aussi puissent apprendre à te connaître. Que ton nom soit béni une fois de plus. Nous t'en prions avec le pardon de nos fautes, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Amen. Seigneur, je viens t'adorer. Seigneur, je viens t'adorer. Et que mon cœur soit comme un océan d'amour. Ô Seigneur, je viens t'adorer. Bonjour à tous. Service de fidélité. Dans Proverbes 3, 9 à 10, Dieu nous exhorte ce matin. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de moût. Les diacres sont priés de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, tout ce trimestre, nous avons donc parlé de la mission. Et oui, il nous faut dire fort, il nous faut annoncer tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fera. Et leur dire que sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Donc pour tous, entendez tous l'appel et adorez l'Éternel.
vous famille, Maranatha, célébrons ce que Dieu a fait. Et même assis, on chante avec force, avec conviction. Entendez tous la paix. Se réjouissent, car le Seigneur est, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est, que la terre se réjouisse, car le Seigneur est. Alléluia, nos cœurs sont dans la joie car le Seigneur règne. Peu importe ce qui se passe, nous savons que le Seigneur règne. Nous savons qu'il a la main mise sur toutes choses. Je l'avais dit ce matin, je le redis, humainement, le temps peut être long, mais un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Regardons à l'éternité, c'est ce qui compte le plus. Alors, chers amis et visiteurs, habituellement, nous avons cette tradition avec un enfant pour un psaume. Il s'agit de... Parfait. Il a levé la main, c'est toi ? Oui ? Non ? Ah, tu voulais réciter un psaume, c'est ça ? Un enfant remplace un autre enfant. Très très bien.
qu'est-ce que tu veux réciter? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans les verts pâturages, tu me diriges près des eaux paisibles, tu restaures mon âme, tu me conduis dans les chantiers de la justice, à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Dylan. Merci Dylan. Alléluia. Merci Seigneur. Et que l'Éternel soit béni. Alors, il y a un vote à prendre, chers frères et sœurs. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons proposé un nom. Dire puissent être des choses dites et animées par l'Esprit de notre Dieu. Viens cet Esprit. Saint-Esprit, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, Esprit, flot à mes yeux, source d'amour, fleuve de vie. Coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie. Viens,
Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu des morts, brasier d'amour, flamme de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi. Amen, alléluia. Que le Saint-Esprit puisse vraiment nous guider et nous conduire. Vous pouvez, chers frères et sœurs et amis visiteurs, vous rasseoir. Rebonjour. Juste avant que nous rentrons dans le message, je vais réitérer quelques annonces que j'ai faites samedi dernier. Je vous avais dit, rappelez-vous, que c'est le dernier sabbat que nous sommes ici. Samedi, sabbat prochain, nous serons au stade de Dillon. Toutes les églises de la Martinique seront au stade de Dillon. Et la fédération a encouragé les églises à mettre des bus au niveau de chaque église locale pour éviter qu'il y ait trop de voitures du côté de Dillon. Alors, au niveau de l'église de Maranatha, nous avons travaillé pour cela. Il y aura un bus qui sera là samedi matin. Vous pouvez venir avec vos véhicules, garer la voiture, prendre le bus et aller à Dillon. Et le soir, le bus vous ramènera ici à l'église pour une petite somme de 2 euros aller-retour. Les enfants de moins de 12, comment ? Il faut que je vous dise tout à l'heure, les enfants de moins de 12 ans ne paient rien. À partir de 12 ans, on paye les 2 euros comme tout le monde. Alors, c'est un avantage certain puisque nous n'aurons pas à nous occuper de nos véhicules. La voiture sera en sécurité ici. Et puis, on pourra voyager dans le bus. On pourra chanter avec nos frères et sœurs. Nous allons descendre, nous allons chanter, barrer la belle. Voilà, et puis on arrive. C'est un cet avantage. Alors, il faut s'inscrire auprès de Lauriane Athanase et de Daniel Raymond. Alors, l'inscription a commencé depuis la semaine dernière. Il nous reste très peu de temps. Comment ? Il n'y a personne. Alors, s'il n'y a personne, il n'y aura pas de bus. Lauriane me fait signe qu'il n'y a personne. Alors, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Si vous ne voulez pas aller en bus, vous vous irez en voiture. Ça, ce n'est pas un problème. Mais nous avons voulu quand même donner cette opportunité à ceux qui veulent prendre le bus. Alors, rapprochez-vous, il y a encore temps de Lauriane et pour voir combien de personnes, pour voir si ça vaut le coup d'avoir un bus. Alors, je vous l'avais dit aussi que dimanche soir 31, l'église de Maranatha sera ici. Nous aurons notre soirée de remerciement, comme d'habitude, comme nous l'avons l'habitude de faire. Nous viendrons ici le 31 où nous allons pouvoir entendre un petit message de réconfort. Et puis, vous allez pouvoir exprimer votre désir de remercier Dieu pour l'année qu'on a passée ensemble, dimanche 31.
Après, on aura un petit, peut-être, collation très léger, mais collation. Mais mercredi 3 janvier, nous serons ici. Le 3 janvier, nous serons ici, où le pasteur va présenter tous ceux qui vont travailler pour l'année 2024. Non, mercredi soir, à partir de 19h, nous serons ici. Ce sera un moment de consécration. On invite toute l'église. Il faut que vous soyez là. Et après, nous aurons une collation un petit peu plus importante. On aura un bon moment de collation le mercredi soir. Alors venez, parce qu'on prépare de bonnes choses pour vous. Le mercredi soir, on sera tous ici. Il y a une équipe qui travaille pour que les choses se passent bien, pour qu'on puisse avoir une bonne petite collation après, qu'on puisse passer un bon moment. Alors retenez ça. Dimanche soir, nous sommes ici, petite collation. Mercredi, toi, grande collation. Vous avez compris? OK. Dimanche, je pense que depuis 18h30, il faut être là. Depuis 18h30, il faut être là. Dimanche. D'accord? Une question? Pas de question? C'est bon. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui combien? Nous sommes le 23 décembre. Nous sommes à 2 jours du 25 décembre. 2 jours du 25 décembre. Jour où le monde chrétien célèbre la naissance de Jésus-Christ. Des gestes de bonne volonté vont se multiplier un peu partout dans le monde. Les soldats vont déposer les armes. Et on appelle ça généralement la trêve des confiseurs. Les soldats vont déposer les armes. Partout où il y a guerre, on respecte la trêve de Noël. Quelle que soit la race, quelle que soit la religion. Mais mes frères et sœurs, nous, peuple de Dieu, nous savons que Jésus-Christ est né. Ça, nous le savons. Il est né. C'est dans la Bible. Nous savons qu'il est venu sur terre. Ça, c'est clair. Même si nous ne partageons pas le jour choisi pour la naissance de Jésus-Christ, il n'en demeure pas moins que nous croyons fortement que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, s'est incarné et est né d'une femme vierge, Marie, pour devenir le sauveur de l'humanité. Même si nous savons que ce n'est pas le jour, le 25 décembre, que Jésus est né. Mais la Bible est claire, Jésus est venu incarné d'une femme vierge, Marie. Joseph, lui, le père terrestre de Jésus, choisi par Dieu, n'était pas boulé. On chante à fond, Joseph était boulé, mais Joseph n'était pas boulé. Il a accepté la noble tâche, à savoir l'éducation du sauveur de l'humanité. Nous, peuple de Dieu, frères et sœurs, nous ne devons pas laisser le monopole de la naissance de Jésus à d'autres. Vous comprenez ça? Nous ne devons pas laisser le monopole de la naissance de Jésus à d'autres. C'est bien nous qui devrions parler de la venue de Jésus en tant qu'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est bien nous qui devrions parler de la naissance de Jésus. C'est bien nous qui devrions parler de son ministère terrestre. C'est bien nous qui devrions parler de son prochain retour. C'est bien nous qui devrions parler de son jugement. Et c'est bien nous qui devrions parler de son ministère actuel dans le sanctuaire. Frères et sœurs, chers amis, on chante Jésus. Jésus-Christ né aujourd'hui.
on parle de Jésus. Mais les hommes ne connaissent pas Jésus. Les hommes ne connaissent pas Dieu. L'idée que la plupart des hommes se font de Dieu est absolument le contraire de ce qu'il est en réalité. Le contraire de ce qu'il est en réalité. Chaque fois qu'une catastrophe naturelle détruit les biens matériels et les vies humaines, les gens crient, c'est la faute de Dieu. Vous n'avez jamais entendu ça? Au petit bon Dieu qui fait ça, bon Dieu qui l'est ça. Quand bien même on dit le bon Dieu, on rend Dieu responsable de ce qui produit la destruction et la mort. Les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, les éruptions volcaniques, quand tous ces phénomènes se passent sous terre et on voit qu'il y a des pertes humaines et des pertes matérielles, on Dieu est responsable de tout cela. La plupart considèrent Dieu comme un monstre redoutable. Ils pensent que Dieu éprouve un plaisir malsain à déverser sur l'humanité les catastrophes et la mort. Est-ce ainsi que Dieu agit? Est-ce ainsi que Dieu agit, frères et sœurs? C'est tout le contraire. Dieu est bon. Et je dis amen à ça. Dieu est bon. Vous devriez répondre tout le temps, en tout temps. Dieu est bon. En tout temps. Dieu n'est pas celui que l'on dit, que les hommes pensent qu'il est. Dieu est un Dieu bon. Et ça, je veux qu'on retienne ça aujourd'hui, en ce matin. Pour la fin de l'année, je veux que nous comprenions que quelles que soient les difficultés que nous avons traversées, quel que soit ce que nous traversons aujourd'hui, quel que soit ce que nous pensions avoir, que nous aurons à traverser, Dieu est bon et il sera toujours bon. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut exprimer sa gratitude, s'il y a quelqu'un qui veut dire que Dieu est bon, vous pouvez le dire, même si c'est un sermon, vous pouvez dire que je veux dire que Dieu est bon. Michel, alléluia, tu veux dire que Dieu est bon et tu as raison de dire que Dieu est bon. Patricia, tu as envie de dire que Dieu est bon. Viens me voir, Patricia. Alors, Patricia, dernièrement, Patricia est dans ma classe, dans l'école du sabbat. Dernièrement, elle a voulu chanter que Dieu était bon. Mais elle n'avait pas la voix ce jour-là parce qu'elle était malade. Mais elle a récité. Et quand j'ai entendu ce qu'elle a dit, c'est elle qui m'a inspiré ce message ce matin. J'ai entendu, elle a récité, elle n'a pas chanté. J'ai dit, Patricia, tu m'as inspiré de faire un message sur Dieu est bon et je vais te donner la possibilité de chanter. Patricia, est-ce que tu peux chanter? Vas-y, prends un micro et chante pour nous que Dieu est bon. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si, si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix.
Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres, tu me tiens tout près de moi. Je te connais comme un père, et tu es mon ami. Oui, j'ai vécu de la bonté de mon Dieu. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Ta bonté me poursuit, elle me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit, elle me poursuit. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oh, ta bonté me poursuit, elle me poursuit, elle me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit. Oh, my life, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. Oh, my love, you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing the goodness of God. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Amen, amen. J'ai senti l'émotion dans la voix de Patricia. Pour avoir discuté avec elle, c'est une fille qui est passée par des moments très difficiles. J'ai discuté longuement avec la maman dernièrement avec elle, et c'est normal qu'elle chante que Dieu est bon. Et Dieu est bon, les amis.
je ne finirai jamais de le dire, Dieu est bon, c'est l'essence même de son caractère. Tout en Dieu est bon. Il est la bonté même. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il déclare est pour notre bien. Et ce matin, j'ai intitulé mon message « Dieu, source de bonté pour tout le monde ». Dieu, source de bonté pour tout le monde. Prions notre Dieu. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es bon. Des fois, nous l'oublions. Et c'est pour cela que ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, comment tu n'abandonnes personne, comment nous sommes dans le creux de ta main. Permets-nous, Seigneur, encore ce matin, de nous rappeler, Seigneur, ta bonté, comment tu nous as sauvés, comment tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour nous sauver, et comment aujourd'hui encore, tu nous portes, Seigneur, sous tes bras d'amour. Merci de nous bénir, de nous rendre intelligents pour la compréhension de ce message. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Dieu, source de bonté pour tous. Mes frères et sœurs, sa miséricorde envers nous, sa gentillesse pour nous, sa patience et sa bienveillance sont constamment à l'œuvre chaque jour. La plupart des hommes et des femmes ne s'imaginent pas qu'il soit possible aujourd'hui de trouver le bien suprême dans cette vie. On ne le s'imagine pas. Pourtant, Dieu est le bien suprême. Et je veux le dire pour tout le monde. Je veux le dire pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Dieu est le bien suprême. Retenez cette phrase. Ce que le monde nous propose, c'est un mirage. Zéro pointé. Dieu est le bien suprême. Pourtant, nous le savons. Nous le savons, Dieu est le bien suprême. Et il nous dit en ce matin, là je ne m'adresse pas à ceux qui ne sont pas encore baptisés, je m'adresse à tout le monde. Il nous dit, viens à moi. Alors souvent nous pensons, parce que nous sommes dans la maison, nous venons chaque sabbat au temple, nous sommes des adventistes, nous pensons que nous sommes à Dieu. Souvent nous sommes loin de Dieu. Et ce matin, Dieu nous dit, viens à moi. Il nous dit encore, rencontre-moi, connais-moi, expérimente ma tendresse d'heure en heure, jouis d'une vie abondante en ma compagnie. C'est ce que Dieu veut dire à chacun d'entre nous en ce matin. On doit comprendre, connaître la bonté de Dieu en ce matin. Il nous dit tout cela parce qu'il nous dit, parce que je suis bon. Mes frères et sœurs, il y a un prophète. Il y a un prophète qui est passé par des moments compliqués, un moment difficile, qui a vraiment souffert. Écoutez ce que le prophète Jérémie nous dit dans Lamentation 3 à partir du verset 19. Lamentation de Jérémie, Lamentation 3 au verset 19. Jérémie, un prophète qui a souffert. Et à un moment, il se sentait dans la détresse. Jérémie 3 au verset 19 à 23. Et je lis pour vous. Il dit que, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Vous comprenez ça, ce que Jérémie dit? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Jérémie, le prophète qui souffre de la difficulté, il dit que son âme est abattue. Mais quand il veut retrouver de l'espérance, quand il veut se retrouver de la force, il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et chacun d'entre nous, nous devons le dire aussi. Mes frères et sœurs, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin pour chacun d'entre nous. Mais nous ne nous y trompons pas. Dieu nous donne une vie abondante. Mais attention, la vie abondante que Dieu propose n'est pas une existence dorée où nous satisfaisons nos désirs égoïstes. Ce n'est pas ça que Dieu veut nous donner. Elle n'a rien à voir avec le confort et la richesse qui est aux yeux du monde, qui aux yeux du monde symbolise une belle vie. Ce n'est pas ça la vie abondante de Dieu. C'est plutôt une vie qui s'élève au-dessus du désir d'avoir de l'argent, des biens matériels et ce qui font envie aux hommes. Ce n'est pas ça la vie abondante de Dieu. C'est une vie qui s'élève au-dessus de ça. Cette conception est à l'opposé de celle de Dieu. Dieu nous invite à vivre sa vie abondante. C'est une vie où la grâce me suffit. C'est une vie où la grâce me suffit. Voilà la vie abondante de Dieu. La grâce me suffit. Cette vie abondante, c'est une vie où Dieu déverse sa vie en nous pour notre bien et le bien des autres. Mes frères et sœurs, l'énergie considérable de sa bonté excite l'hostilité de ceux qui font le mal. L'énergie abondante, considérable de sa bonté excite l'hostilité de ceux qui font le mal à l'heure de la mort de Jésus. Et ça, Jésus l'a vécu en direct. Quand la bonté de Dieu est là, quand nous vivons une vie abondante, ça excite l'hostilité de ceux qui font le mal. À l'heure de la mort de Jésus, de terrifiantes ténèbres sont tombées sur la terre. L'obscurité a triomphé de la lumière. Le mal a réduit le bien en silence. Les hommes ont souhaité l'apparition des ténèbres en crachant sur Jésus. C'était sur Dieu qu'ils crachaient. C'était sur la bonté qu'ils crachaient. En plantant des clous en fer dans ses mains et dans ses pieds, en plongeant une lance dans son côté, il assassinait la bonté. Il assassinait la bonté. Voilà l'hostilité de ceux qui font le mal. Dieu a fait en sorte que Christ, qui n'avait jamais péché, devienne péché pour nous, afin qu'en lui, nous héritions la bonté de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Dieu a fait que Christ, qui n'avait jamais péché, devienne péché pour nous, afin qu'en lui, nous héritions la bonté de Dieu. Mes frères et sœurs, mes chers amis, regardons avec les yeux de la foi à quel point Dieu est rempli d'amour. À quel point Dieu est rempli d'amour. Il nous montrera combien les mauvaises choses
qui nous attirent par les fausses promesses de vie ne sont que mirages. L'Esprit de Dieu nous débarrassera de nos mauvais désirs. Voilà ce que la bonté de Dieu fait dans nos cœurs. En échange, il nous communiquera sa grande bonté. Dieu veut nous débarrasser de tout ce que le monde nous propose comme mirage, comme mauvais désir. Et il veut nous remplir de sa grande bonté. C'est ce que Dieu veut faire en nos cœurs. Cet échange est offert à chaque être humain gratuitement. Nous n'avons rien à payer. C'est gratuit. Dieu veut nous débarrasser de tout ce qui est mauvais et nous remplir de sa bonté. Quand on nous voit, on doit voir la bonté de Dieu en action. Dieu a remporté une victoire totale contre le mal, même contre l'égoïsme indéracinable de la nature humaine. Dieu a remporté cette victoire totale contre le mal. Donnons-nous, mes frères et sœurs, chers amis, tout entier à lui. Saisissons-nous de sa bonté à la place de notre méchanceté. Saisissons-nous de sa bonté à la place de nos méchancetés. Prenons son caractère et ses attitudes honorables à la place de notre honte et notre tendance à faire le mal. Frères et sœurs, chers amis, Dieu est le seul dont notre âme a faim et soif. Nous ne serons assasiés et désaltérés qu'auprès de lui. Et ça, je veux vous marteler ça aujourd'hui. Nous serons rassasiés et désaltérés qu'auprès de lui. N'écoutons pas ceux qui nous disent d'aller voir ailleurs. Lever pied haut. Depuis ton an, ou dans la situation t'as là, mais lever pied haut pour aller où est l'affaire. Mes amis, je sais que parmi nous, il y a de ceux qui le font. Je ne sais pas qui. Mais il y a des gens qui sont là, mais qui sont là. Les amis, c'est auprès de Dieu que nous serons rassasiés. Pas ailleurs. Pas quitter le monde, garder nous, aller où est, garder des affaires, chez Boiset. Non. C'est auprès de Dieu qu'on sera désaltéré et rassasié. Goûtons à sa vie et nous saurons qu'il est bon. Goûtons à sa vie et nous saurons qu'il est bon. Et ensuite, nous aurons plus jamais faim et soif des choses de ce monde. Jamais. J'arrive ce matin. Je me dis, mais comme en 2023, je me suis fait baptiser en 1993, 30 ans. Les amis, ce n'est pas de la fête, moi, je vais raconter les autres. Mais je ne faisais pas les choses à moitié. Je ne suis pas quelqu'un de demi-portion. Quand je suis là, je suis à fond. Quand je suis là, je suis à fond. Vous comprenez? Quand j'étais dans le monde, j'étais à fond. Noël m'a à fond à donner. Vous comprenez ça? Toutes sortes de choses, je suis à fond là-dedans. Mais quand j'ai connu la bonté de Dieu en 1993, je suis à fond avec Dieu. Je suis à fond avec Dieu, les amis. 30 ans que je sers l'Éternel. 30 ans que j'ai tourné le dos aux choses du monde. Et 30 ans que je marche avec l'Éternel. Et je dis gloire à Dieu à ça. C'est la personne de Jésus qui œuvre en nous
pour battre en brèche le mal qui nous assaille. C'est lui qui nous rend victorieux en esprit. C'est la révélation de son plan pour nous qui cherche notre désespoir. La bonté de Dieu, frères et sœurs, chers amis, triomphe de notre découragement et nous insuffle un nouvel espoir pour l'avenir. 2024 arrive, c'est la bonté de Dieu qui va nous insuffler un nouvel espoir pour l'avenir. Ta tendresse, parce que Dieu est un Dieu tendre. Dieu nous aime, il est tendre. Ce n'est pas beaucoup Rodrigue, hein? Je n'ai pas de tendresse, mais Dieu a de la tendresse pour nous. Vous voyez, sa tendresse que le monde calomnie est en réalité la force qui freine la corruption dans le monde. S'il n'y avait pas la tendresse de Dieu, le monde aurait été sans dessous dessus. C'est la tendresse de Dieu qui freine la corruption dans ce monde. Même si nous voyons qu'il y a de la corruption, mais la corruption est freinée parce que Dieu met sa tendresse pour les hommes. Aucune corruption n'a jamais triomphé de Dieu. Au-dessus des douleurs, des peines de cœur, du péché et même de la mort, Dieu règne avec puissance. Il annonce à nous tous ce matin que nous pouvons pénétrer dans le royaume spirituel où règne sa tendresse. Nous pouvons pénétrer dans ce royaume spirituel où règne la tendresse. Il nous invite maintenant à choisir. Le mal aura-t-il le dernier mot ? Le mal aura-t-il le dernier mot ? Dieu nous invite ce matin à choisir. Il nous invite à lui faire confiance et croire que son amour finira par triompher en toutes choses. Mes frères et sœurs, chers amis, lorsque nous pénétrons dans son royaume par la foi, sa bonté nous donnera des objectifs nobles. Quand nous pénétrons dans le royaume de Dieu par la foi, sa bonté nous donnera un caractère fort. Quand nous pénétrons dans le royaume de Dieu par la foi, sa bonté nous donnera des attitudes saines. Quand nous pénétrons dans le royaume de Dieu par la foi, sa bonté nous donnera une conduite fiable. Quand nous pénétrons dans le royaume de Dieu par la foi, nous saurons qui est Dieu. Nous connaîtrons Dieu. Cependant, frères et sœurs, cependant, je dois vous avertir des inévitables conséquences. Je dois le faire ce matin. Quiconque prend position pour Jésus et a la foi en sa bonté ne sera pas populaire. Vous avez entendu ça? Vous voulez que je reprenne ça pour vous? Quiconque prend position pour Jésus et a foi en sa bonté ne sera pas populaire. Et j'ai envie de dire, tant pis si je ne suis pas populaire. Tant pis si vous ne m'aimez pas. Je ne suis pas là pour que vous m'aimez. Je suis là, mes frères et sœurs, pour marcher comme Dieu le demande. Tant pis si vos collègues ne vous aiment pas. Vous êtes là pour marcher comme Dieu le demande. Ce n'est pas grave si nous ne sommes pas populaires. Ce n'est pas grave. Mes frères et sœurs, ceux qui nous entourent seront soit attirés ou soit repoussés. Ceux qui nous entourent seront soit attirés, soit repoussés. Parce que notre action en faveur de Dieu sera évidente. Quand nous avons la bonté de Dieu, notre action
en faveur de Dieu sera évidente. Beaucoup se sentiront mal à l'aise en notre compagnie, mais ce n'est pas grave. Beaucoup se sentiront mal à l'aise en notre compagnie. Peut-être que des amis vont nous lâcher. Peut-être que des amis vont nous abandonner, mais ce n'est pas grave. Cependant, ne perdons pas courage. La Bible dit que nous aurons des tribulations dans le monde. Mais Jésus a triomphé de tout. Jésus a triomphé de tout. Et nous le pouvons aussi, puisqu'il vit en nous. Jésus vit en nous. Nous le pouvons. Sa bonté vaincra. Qu'est-ce que la genou? Qu'est-ce que pas la genou? Qu'est-ce que aimez nous? Qu'est-ce que pas aimez nous? Sa bonté vaincra. Vivons, mes frères et sœurs, dans l'espérance du jour nouveau. Levons les yeux et réjouissons-nous en le Seigneur. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Réjouissons-nous en le Seigneur. Dieu, source de bonté pour tous. Régis, est-ce que vous pouvez chanter ça avec nous, avec le groupe de louanges? Il y a le frère Jean-Marc Medeuf qui a composé ce chant. Dieu, source de bonté pour tous. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté à Maranatha. Je veux que nous chantions cela. Dieu, source de bonté pour tous. Pour moi aussi. Pour toi, Régis. Allez. Mettons-nous debout. Nous chantons ça avec toi. Mettons-nous debout. Nous sommes arrivés à la fin du message. Comble ma vie d'amour, Dieu.
notre Dieu, notre Père. Oh, merci Seigneur pour tant d'amour manifesté envers nous. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque jour. Merci Seigneur de nous porter, Seigneur, dans tes bois d'amour. Seigneur, nous avons besoin de comprendre que quelle que soit la situation que nous vivons actuellement, quels que soient, Seigneur, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, tu es un Dieu de bonté. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre cela. Seigneur, que ton esprit vienne en chacun d'entre nous et permets-nous, Seigneur, de comprendre que tu nous aimes et qu'en retour, Seigneur, que nous puissions t'aimer plus que tout. Mets un amour fou dans nos cœurs pour toi, Seigneur, afin, Seigneur, que quel que soit là où nous trouvons, que par notre comportement, notre attitude, notre manière de faire, que le monde puisse voir que ta bonté rayonne en chacun d'entre nous. Fais-nous du bien. Bénis l'église de Maranatha ce matin. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous serons unis en Jésus. Nous serons unis en Jésus vers l'avenir meilleur. Tous rassemblés, nous voulons partager cet espoir. Nous serons parmi les élus pour rencontrer le Sauveur. Changés, nous serons transformés par la foi. Nous te louons, Seigneur, toi qui vis dans les cœurs. Ton esprit nous remplit d'une paix infinie. Nous t'adorons. Sœurs et amis visiteurs, soyez bénis, que vous puissiez donc rentrer prudemment et que l'Éternel soit avec chacun d'entre vous. Thank you.
Dieu source de bonté,